Chez vous, mettez la télécommande. C'est le réveil perché, bonjour à toutes et à tous. Alors, je confirme un truc. Les versions craquées, c'est vraiment de la merde. Je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, si on regarde bien, la génération 2000. Alors, qu'est-ce que c'est la génération 2000? C'est les gens qui sont nés à cette période-là, dernièrement, et un peu avant. Et au final, c'était une très bonne génération. Parce que mine de rien, on n'avait pas. Vraiment, parce que je pense que c'était bon, c'était après à 2000 que ça a vraiment explosé Internet, ça a été une révolution et tout ça. Mais si on regarde bien, franchement, c'était quand même la merde. Parce que on avait beau faire quelques trucs ou pas avoir assez, mais au final, c'était des choses qui étaient stables, qui tenaient, qui valaient le coup. Est-ce que là, ça vaut le coup là? Là, je vous explique. Les seules versions craquées qu'il y a eu dans le monde, c'était des versions stables qui marchaient. Maintenant, la plupart des versions craquées, elles sont pourries. C'est plus des versions craquées, c'est des crackers. Non mais, sérieusement quoi. Je vous jure. Je vous dis ça en connaissance de cause. Virtual DJ Pro 8, en ce moment, avait une version spéciale avec la licence Infinity. Alors oui, c'est sûr. On a pu l'utiliser, allez, pendant 30 secondes. Et... Non, allez, 2 minutes. Allez, on va pas exagérer, mais hein, quand ça... On l'a désinstallé, le réinstallé, parce qu'il y avait moi des plugins que j'avais rajoutés, au final ben, ils n'ont pas marché. Ce qui a fait que j'ai dû me taper toute la désinstallation du logiciel, donc merci Virtual DJ. Et en plus de ça, quand tu essaies de marcher derrière et de le remettre, eh ben ça marche plus. C'est cool, c'est. Oh, y a rien qui s'affiche. C'est t'as l'écran normal, mais vraiment, hein, t'as pas de réaction, je sais pas, le mec il dort, t'sais, le logiciel limite il est bourré. C'est. Non mais sérieusement quoi, et c'est une version craquée. C'est censé marcher, hein, c'est pour vous dire. Donc, mec, explique-moi quel est l'intérêt de craquer un truc, de te débrouiller à trouver le moyen de pouvoir le rendre gratuit ou rendre des trucs encore plus débloqués que d'habitude, sans qu'on s'embête nous, à l'utilisateur, et au final, ça ne marche pas. Mais explique-moi l'intérêt. Moi, je vous le dis franchement, hein, mieux vaut prendre une version légale. Hein. Ah oui, mais sans déconner, hein. C'est soutien 100% légal, moi, ici. Hein. Ah oui, non, mais parce que si ça ne fait pas légal, ça marche pas. Ah bah oui. Parce que le légal, au moins, t'as tout dedans, t'as les composants, et au moins t'es pas emmerdé. Parce que dès que tu demandes un truc, ça marche. Et en plus, ça tient. Non, parce que, moi je vais vous dire franchement, hein, ça vaut pas le coup. Et je parle pour ça comme pour les autres, hein, les APK ou tout le tralala, que ça soit sur ordinateur et tout. Hein. Ah oui, non, mais je fais cette vidéo parce que j'ai encore le temps, on est en pyjama, on va pas s'apprêter à ouli-ouli. Mais, moi je considère que je vais faire une vidéo. Hein. Non mais parce que. Non mais c'est vraiment. Attendez, est-ce qu'on est, qu est d'accord? En plus j'ai mal au bras là, putain. Est-ce qu'on est, d'accord pour dire que c'est vraiment de la merde les versions craquées? Non mais franchement. Franchement, faut se confirmer ça entre nous. Moi, marquez-moi en commentaire. Les versions craquées, ça vaut pas le coup. Moi je le dis franchement. Je préfère vraiment qu'on s'achète des trucs ensemble. Ça coûte cher et tout, mais après il faut voir le travail qu'il y a derrière. Parce que t'as quelque chose de stable et qui marche. Ah, je soutiens totalement. Hein. Mais vive les versions qui sont pas hackées. Hein. Vive les versions originales, les versions véritables, je sais pas comment on dit, les versions officielles quoi, le truc qui marche. Donc voilà, c'était pour faire mon petit soutien, enfin mon petit, un gros soutien vraiment à ces versions, hein, voilà. Donc le crack c'est de la merde, c'est voilà, ça sert à rien, ça sert à rien. Je vous jure ça sert à rien, ah je peux vous garantir, ça sert à rien, c'est voilà. Eh mais franchement, ouais, achetez le truc et arrêtez. Voilà, achetez le truc, c'est tout. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Vous emmerdez personne. Et même vis-à-vis de l'utilisateur, il est heureux. Tout le monde est heureux. Toi, tu l'as. Lui, il a gagné un peu d'argent pour ce qu'il a créé. Toi, tu en profites derrière, c'est encore mieux. Et même, vous pouvez vous boire un café et prendre un kebab à la fin si vous avez envie. Ah bah comme ça, au moins, le tour est joué. Hein. Allez. A plus, c'était le petit coup de gueule et c'était le gros soutien évidemment aux versions hackées. Donc ne hackez pas, ne craquez pas. Et par contre, les versions crack, ben, pour dire que ça vaut pas le coup. Hein. Ah non, non, ça vaut pas le coup. Bah ouais. Ah, j'ai beau essayer de chercher, ça vaut pas le coup. Non, non. Non, 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 non. Il y a peut-être quelques versions. Des trucs qui marcheront, mais moi je vous dis un truc, je l'utiliserai que sur des mini-jeux. Des jeux du genre Angry Birds ou un truc comme ça, là. Au moins je suis sûr que ça marchera. Parce que le peu de versions craquées qu'il y a là-dessus, au moins, elles marchent. Comme je vous l'ai dit, hein, les versions craquées, c'est des crackers, hein. Allez, ciao, bonne nuit. Et à bientôt sur une prochaine vidéo, voilà. Bon, c'était la vidéo avant de vous revoir dans je sais pas combien de temps. Je vais partir pendant une semaine, quelque part. Voilà, donc, on a le temps, écoutez, on est bien, on va pas se... Donc, vous aurez pas d'activité pendant un temps, regardez les anciennes vidéos et tout, et regardez celle-ci.
Mesdames et messieurs, à bientôt.